bâton dans le collimateur. Je suis désolé. Honnêtement, je pensais pas que Carmine reviendrait, et en plus, avec de l'aide. Salut, Miss. Je fais de mon mieux pour contribuer par ici. Quoi qu'il arrive après ça, je suis content que Carmina soit de retour. C'est toi qui as 9 vies, c'est ça? Survécu à ce crash. Merci de partager ça avec moi. On a déjà essayé de faire venir un train de marchandises, mais cette saloperie s'est cassée la gueule en traversant un pont. La plupart des gens sont trop trouillards pour grimper là-haut, mais il doit sûrement rester du matos intéressant. Thank you.
Bonjour, Miss. Je sais pas si tu connais Larry Parker. C'était un peu le savant fou du coin. Il est parti depuis longtemps, mais je parie qu'il avait planqué du matériel que personne n'a encore trouvé. J'ai besoin d'aide par ici, s'il te plaît. Je te dois la vie. Merci. Récupérer plein de trucs sympas à échanger. Je suis très bien.
s'amuser. J'ai aucun souvenir des 3 premières années après l'effondrement. Je sais que j'étais là, mais mon cerveau a tout effacé. Salut. Chacun son truc, mon pote. Il y a une grange un peu plus loin où les ravageurs repeignent leurs voitures. Il paraît que leur artiste y planque aussi pas mal de beaux trucs. Je sais pas, je me dis que ça pourrait intéresser une personne aventureuse dans ton genre. Le train va plus nous servir maintenant. La cuisine de Kazan. Compte sur moi pour répéter ça partout. Écoutez, on sait que vous suez 100 euros pour nous faire plaisir, et Mickey et moi, on s'économise pas non plus. On enlève des connards, on tire sur des lapins, on prend de la plaque. Mais n'oubliez pas, vous êtes réussi, il faut pas se défendre, on marche autant que moi, on apprend à se fabriquer des chaussures avec ce qu'on trouve. Chacun son opinion. Flingue.
tuer! On en a trop. Le garage. Méfiez-vous, ils ont branché une alarme pour prévenir les troupes les plus coriaces. Oh!
allez par là, attention à la rue. Thank you.
Mystérieuse qu'empêche les gens d'aller trop au nord. Dame ? Que l'adorable machine à tuer, hein ? Si on veut survivre, le Nouvel Éden enterre ses morts dans un lieu situé pas loin d'ici. J'ai aussi entendu parler d'un coffre caché là-bas. Ça mérite d'aller vérifier.
J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises ce soir. Je supporterai pas une autre embuscade.
pouvoir sauter, ouais, si je crois assez. Non, jamais de la vie. Yo, toi, elles sont comment tes jambes? Solides? Il y a beaucoup de choses qui jouent. La physique, la psychologie. C'est la merde. C'est la grosse merde. J'ai besoin d'une paire de bras. J'ai déjà les miens, mais il m'en faudrait d'autres. Au nom de Dieu, je suis au beau milieu de la pire putain de descente depuis le Big Bang de l'univers. Je déconne même pas. Je fais pousser des plantes, tu vois quoi, des plantes. Me demande pas quel genre, c'est le genre qui marche, ok? Ce genre-là. Je me baladais avec une trousse de terrain et... je l'ai fait tomber. Ouais, et juste au-dessus d'une ouverture dans le sol. Il y a au moins une année entière de mes réserves là-dedans. Cette trousse m'a sauvé d'au moins 8 maladies et 4 infections, rien que dans les 6 derniers mois. Je peux en faire pousser plus, ok, mais honnêtement, je te dis ça vraiment juste entre nous. Sans ce que j'ai fait tomber, je pourrais jamais survivre. Je tiendrai pas jusqu'à la prochaine récolte, je tiendrai même pas un mois sans. Les gens meurent de n'importe quelle connerie maintenant. Récupère ma trousse et je m'occuperai de toi et de ta bande. Comme ça, vous mourrez juste de la violence, comme Dieu l'a voulu. Au lieu de crever en marchant sur un clou.
augmente. Faut que tu continues à inonder l'endroit. Regarde autour de toi. Oh!
super-héros ont qu'à bien se tenir. On voit bien que t'as le crossfit dans le sang. Tu peux le faire. Balance les burpees. Putain de sa mère, t'as réussi. Chope ma trousse, ok? Chope ma trousse de terrain. Oublie pas, ok? Va me la chercher. Plus belle du coup. Je vais pouvoir gratter mes boutons sans devoir m'inquiéter de claquer d'une infection un mois plus tard. Merci vraiment. Je me disais que ce serait bien d'aider les gens plutôt que de chercher des racines comme une vieille crève la dalle. Du coup, ça te dérange si je viens avec toi? Je peux installer mon labo dans le jardin de ton campement par exemple, histoire de renforcer ton système immunitaire et te donner la pêche. Pense à ton capital santé. Je déménage mon matos tout de suite, ok? Ouais, je vais y aller. Je vais m'installer. Merci encore pour tout ça.